Savez-vous qu'il y a encore des gens effrayés par cette montagne? Pendant des années, des centaines d'années, je pense, les habitants ont cru à des légendes concernant cette montagne. Si l'on en croit ces histoires, la montagne enchantée peut vous parler. Elle peut dire de bonnes choses, mais aussi de mauvaises. Elle peut donner des avertissements. Pour ma part, j'avais l'habitude de rire de ces histoires. Mais quelque chose s'est passé ici l'été dernier qui... Eh bien, je vous laisse en juger vous-même. Tout commença le dernier jour d'école. Un grand jour pour mon neveu Ouli. Il est bon élève, mais comme tous les garçons, il apprécie la liberté des vacances. Il habite la ville, une ville très ancienne. Si ancienne qu'elle semble être un livre d'histoire. L'histoire, précisément, est le sujet préféré d'Ouli. Ainsi, il aime les fêtes célébrant un événement historique. Son père. Mon nom, soit dit en passant, est Wilhelm, oncle Wilhelm. Les parents d'Ouli sont fiers de leur fils, un bon élève à l'esprit éveillé. Son hobby, par exemple, est la collection de pièces rares. Aussi, au cours de leur voyage à travers l'Europe, ses parents l'ont-ils aidé à acquérir des objets de valeur, comme cette statue, datant du début de l'âge du bronze, ou ce couteau de chef africain. Ainsi que des monnaies de l'époque de Napoléon. Ouli a lu plusieurs livres sur la vie de cet empereur. Comme moi, mon frère ne s'intéressait pas à la religion. Mais cela ne lui faisait rien qu'Ouli s'y intéressât du point de vue historique. Par exemple, à l'histoire de la vieille église du quartier. Celle-ci d'ailleurs me fait penser à quelque chose. Je devrais préciser quelle est la cause de ce qui arriva cet été. Quand est-ce que je peux aller au chalet de l'oncle Wilhelm? Tu pourrais participer à un camp cette année, non? Je pense à un camp chrétien, Ouli. Un camp chrétien? C'est organisé par les responsables de l'église. Tu sais, dans notre famille, nous n'avons jamais été bien intéressés par l'église. L'église n'est pas qu'un monument historique, Ouli, mais l'ensemble de ceux qui croient à la parole de Dieu. C'est cette parole qui a fait de moi une personne transformée. C'est si merveilleux. Je prie pour que toi aussi tu deviennes chrétien, Ouli. C'est ridicule d'envoyer Ouli dans un camp chrétien au lieu de le laisser partir chez mon frère à la montagne. Tu as été bon pour notre enfant. Très souvent, tu l'as aidé et tu l'as encouragé à constituer sa collection. Mais nous avons négligé l'essentiel pour sa vie. Je conviens qu'il a appris beaucoup de choses pendant ses vacances chez oncle Wilhelm. Mais tu sais, ton frère déteste l'église. Et quand il a trop bu, son langage devient affreux. Je pense que la mère d'Ouli ne s'est jamais beaucoup préoccupé de moi. Un vieux garçon vivant seul,
formé par la vie rude de la montagne. Je l'admets, j'étais parfois dur quand Ouli venait passer ses vacances d'été. Mais je désirais que ce garçon apprenne quelque chose. Je ne voulais pas qu'il devienne mou, comme tant de gens en ville. L'intérêt que tu portes maintenant à l'église, ces idées stupides de conversion, c'est ton affaire. Mais Ouli est mon fils et je te répète qu'il ira à la montagne. Je prie pour que toi aussi tu deviennes chrétien. Le message de la Bible a changé ma vie. C'est formidable de savoir que Dieu nous aime comme un père. N'essaye pas de t'éloigner de lui. Je prie pour que toi aussi tu deviennes chrétien. Comme je l'ai appris plus tard, le père d'Ouli lui avait strictement recommandé de ne pas parler de l'intérêt nouveau de sa mère pour la religion. « Ton oncle rirait bien, disait mon frère, et j'aurais bonne mine avec ça. » Cependant, le garçon ne pouvait pas oublier ce que sa mère lui avait dit. Il n'était certainement pas en train de s'éloigner de Dieu. Sa mère le lui avait recommandé. Eh bien, si vous m'aviez demandé mon avis, je vous aurais dit qu'il était lancé dans la plus grande aventure de toutes ses vacances passées chez moi à la montagne. Les autres années, je n'avais pas pris de temps pour essayer de comprendre mon neveu. Mais cet été s'annonçait différent, très différent des autres, comme vous allez le voir. Voilà, Ouli, la montagne enchantée. Elle vous parle, c'est vrai? Écoute. Je n'entends que le vent et l'écho. À mon avis, c'est tout ce que les gens ont entendu. Le reste, c'est de l'imagination. Bien, nous sommes presque arrivés. Comme je te l'ai déjà dit, je n'ai jamais attaché beaucoup d'importance à ces histoires de montagnes enchantées. Mais je te le répète, tu décideras toi-même. Pour commencer, Ouli allait avoir une grande surprise. Des choses inconnues de son père et de sa mère, des choses merveilleuses s'annonçaient qui me réjouirait aussi. Attends un moment. Avant de manger, nous voulons remercier notre Dieu. Il nous a gardés pendant la montée, nous et le troupeau, et il nous donne tous ses aliments. Nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté. Bénis cette nourriture. Aide-nous à être reconnaissants. Au nom de Jésus, amen. Et bon appétit. Nous avons travaillé dur et je pense que nous avons tous faim. Mmh.
Est-ce que c'était un rêve ou la réalité? Il avait quitté la ville. Il était là, à la montagne. Il se rappelait les paroles de sa mère. Mais est-ce que c'était bien là le rude oncle Wilhelm qui ne croyait pas en Dieu? Lotti, la fille des voisins, était toujours la même, pleine de malice. Mais sa présence même ne pouvait détourner les pensées d'Ouli de beaucoup de questions. Permettez-moi de vous raconter quelque chose concernant mon domaine. Je n'ai que des pâturages, très haut dans la montagne. L'herbe qui y pousse est de très bonne qualité. Elle donne au lait une saveur particulière, qui fait de ce fromage un des meilleurs du monde. L'aide d'Ouli était toujours appréciée à cette époque de l'année. Il y avait beaucoup à faire. Une des nombreuses tâches consistait à conduire chaque matin le troupeau dans un autre pâturage. Ne t'éloigne pas trop, tu pourrais te perdre. D'accord, oncle Wilhelm. Ouli aimait explorer cette région sauvage. Il pouvait laisser le troupeau seul. Une fois arrivé sur place, les bêtes ne s'éloignaient pas. Il n'était donc pas nécessaire de les surveiller tout le temps. Qui a déjà entendu parler d'une montagne qui s'appelle Ouli? Je m'appelle Montagne Folle. Je suis une montagne stupide. J'arrive, oncle Wilhelm. Peut-être que j'ai mis cette montagne en colère. Thank you.
Oli, je croyais que tu étais déjà couché. Est-ce que je peux t'aider? Oh non, j'ai presque terminé. Je suis très content que tu sois revenu vers nous cet été et que nous pourrons être ensemble à la montagne. Ces magnifiques montagnes. Notre merveilleux et grand Dieu a créé ces montagnes. J'aime lire ces paroles de la Bible. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Quel grand Dieu nous avons. Et quel monde extraordinaire il a créé. N'est-ce pas triste que si peu de gens aiment Dieu et ne manifestent aucune reconnaissance pour sa bonté et sa grandeur? Quand nous faisons le fromage, le lait doit être consciencieusement chauffé, puis refroidi, alternativement. Ensuite, des ferments sont ajoutés et le tout est mélangé pendant des heures pour séparer le liquide du solide. Oh, ce n'est pas une tâche facile. Toute chose doit être faite en son temps. Les autres étés, je me plaignais du travail difficile et je devenais même très grincheux. Mais maintenant, je suis heureux. Je me dis, c'est une bonne chose que de faire du fromage. Dieu nous a donné la sagesse pour préparer de bons aliments. Et même, cela peut faire partie du service que nous lui rendons. Enfin, le moment de la récompense. Le fromage est prêt à être placé dans son moule. Cette méthode n'est-elle pas démodée? Nous la pratiquons depuis des centaines d'années. Nous n'avons pas trouvé de meilleur moyen pour mettre le fromage sous presse. Pouvez-vous imaginer cela? De la neige en plein été. Ça arrive à la montagne. Et chaque fois, j'en suis contrarié. Un jour, je me suis un peu fâché contre Ouli, comme souvent les étés précédents. Mais Dieu m'a montré que j'avais à lui demander pardon. Je me souviendrai toujours de la manière dont il me regarda. Je continuais à prier pour une occasion qui aiderait Ouli à découvrir la nouvelle foi que j'avais trouvée. Puis un jour, viens, approche, sans que je le réalise, Dieu commença un travail profond dans le cœur de mon neveu. Est-ce que c'est ta montre? Oui, je crois bien que je ne te l'ai jamais montré. C'est un trésor de famille. Je l'ai eu depuis que j'avais ton âge. Elle a certainement une très grande valeur. Le mouvement, les rouages sont en aussi bon état que s'ils étaient neufs.
Il y a des gens qui ont voulu déjà l'acheter. Mais je ne la vendrai pas pour tout l'or du monde. C'est une bien vieille montre. Je l'avais presque oubliée. Je la regarde si rarement. Je n'aurais jamais pensé qu'à cause de son hobby, Ouli eut de si fortes tentations au sujet de ma vieille montre. Oui, mais il y avait aussi mes prières pour cet enfant. Et quand nous prions, quand nous demandons vraiment à Dieu de nous aider, il le fait. Tu sais, Ouli, lui dis-je, une fois j'étais comme ce fromage. Il n'a pas de goût jusqu'à ce que nous le trempions dans un bain salé. Le sel lui donne son goût. Jésus dit, « Vous êtes le sel de la terre. » Mais cela n'arrive que lorsqu'il vient dans notre vie. Si seulement j'avais su ce qui se passait dans l'esprit de ce garçon, je lui aurais parlé. J'aurais essayé de l'aider. Pourtant, en regardant en arrière maintenant, je crois que Dieu avait un but en permettant aux choses d'évoluer comme elles le firent. Ouli, pourrais-tu m'aider à porter le fromage ? J'arrive, oncle Wilhelm. Où es-tu allé pour être de si bonne heure ce matin? Nulle part. Je ne comprenais pas. Pourquoi le garçon était-il sorti? Et qu'avait-il fait? Cela m'inquiétait.
Laisse-moi tranquille, je veux être tout seul. Je n'ai pas faim. Il y avait un tel changement dans l'attitude d'Ouli, cela m'intriguait. Ô Dieu, est-ce que tu es en train de parler à son cœur? Donne-moi de la sagesse, ta sagesse, Seigneur, afin que je puisse l'aider à trouver la joie que seul Christ peut donner. Quelque chose te tracasse? Oh, ce n'est rien. Toutes ces années, j'ai vécu au milieu de ces merveilleuses montagnes, mais je n'avais pas le cœur joyeux. C'était parce que je ne connaissais pas Dieu, Ouli. Pendant des années, j'essayais de fuir loin de Dieu. Je ne voulais même pas penser à mes péchés. Tu sais, la Bible nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais comme c'est merveilleux que le Seigneur Jésus soit venu dans le monde pour mourir à cause de nos péchés. Comme c'est merveilleux. Il est mort pour nos péchés. Sans Jésus, nous sommes perdus, Ouli. Perdus à cause de nos péchés. Dieu nous aime. Il veut aussi que nous l'aimions. Ne cherche pas à t'éloigner de lui. Ô Dieu, je te demande pardon d'avoir volé la montre. Aide-moi, s'il te plaît. Où est-ce que tu vas? Je reviens tout de suite.
merveilleux. La chose la plus fantastique qui puisse se produire dans nos vies. Ouli avait invité le Seigneur Jésus à venir dans son cœur, comme sa mère l'avait fait, et comme j'avais fait moi-même. Ouli me raconta ce qui s'était passé. Il n'aurait même pas eu besoin de le faire. Ça se lisait sur son visage souriant. « Tu viens de faire quelque chose de très sage, lui dis-je. J'ai perdu beaucoup d'années à vivre loin de Dieu, mais toi, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus alors que tu es jeune. Tu as fait quelque chose de très sage. Très sage. » « Je suis content que tu sois là, Ouli. »